Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. J'étais en bug, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est vrai, j'avais oublié que entre-temps et mon problème de construction s'est quand même rétabli et que vous avez pu voir juste avant la construction finalement de l'étage que j'ai refait. Ah oui, non. Oui. Bah, bref, vous venez de le voir, hein, pas non plus me casser la nénette à faire des trucs. Et bah c'est vrai que les petits enfants maintenant ils sont debout. Tu vas rien hurler, tu fais pas chier Louise. Non c'est bon quoi, j'en ai marre moi. Tu vas toi dormir. Et Arthur, oui bah tant pis, tu vas peut-être aller aux toilettes. Et puis tu vas dormir là, voilà, comme ça c'est fait. Et les parents, ils vont refaire un petit bébé. Et toi, tu fais ta crise, mais non, tu vas être couché. Voilà. Hop, allez! Oh là là! Quand j'entends ça, c'est... Attention. 3h40 du matin, Albert a découvert quelque chose vit sous son lit. Eh ben, t'as qu'à pas dormir dans celui-là, si t'es pas content. De toute façon, ils réussissent jamais à communiquer avec les monstres. Alors, moi, ça me pète les noix. Va faire une sieste! Toi aussi, tu vas découvrir un truc sous ton lit. Ouais, c'est bon que casser les pieds. Faites tous une sieste. Bon, voilà, alors du coup, c'est vraiment plus la chambre garçon, puisque vous voyez qu'il y a quand même trois lits. Et éventuellement, si on a encore une fille, on aura de la place ici. Et la mini salle de bain, et avec ce miroir qui est bien sûr un CC, hein, mais je trouvais qu'il s'accordait bien avec le ton encore. La baignoire. Le miroir? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, j'ai dit son lit de la merde. Voilà, on a le monstre, super. Oh! Ben, Pierre-Nard, t'as pas assuré? Mais pourquoi elle est... Mais couche-toi, Joséphine. T'as la gerbe, bah oui, bah ça écoute, ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Va dormir! Qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi un monstre sous votre lit? Allez, on va au dodo. On a un peu de calme. Mais dors! Tu me saoules! Là là! Ouais, il sera à peu près au niveau énergie, ça va, ça va, c'est bien, ça monte. Lui, il est bien, elle. Pff, tu me casses les pieds, toi aussi, hein. Oh, je vous jure, hein, j'en ai marre. Vivement, les lampes. Et tu vas prendre un bain. Voilà, tu seras assez reposé. Toi, t'as faim et t'as besoin de parler, d'accord. Bah tu vas jouer au docteur, truc qui a rien à voir, mais on fera comme ça. Et puis après, t'iras manger aussi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Non mais... Ah! Au secours! Va dormir! Tu m'énerves, va faire une sieste, Pierre-Nard. Toi, t'as faim. Bah tu... Puis tu vas prendre un bain avant. Puis que... Oh! Mais tais-toi, Gustave! Non, tu vas pas t'entraîner à chanter. Non, non, tu chantes mal, Joséphine. Non, 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 non. Oui, je sais. Mais va te coucher, il te reste pas longtemps. Va te coucher, il est 6h30 du matin, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Ah bah d'accord, elle est déjà enceinte. Ah bah voilà. Voilà. On sait que bébé numéro combien? 5 est en route. Ce sera au moins ça de fait, et puis c'est comme ça, c'est pas mal déjà. Après, elle va aller manger, faire tout son merdier, le linge aussi qui est prêt, tout ça. Voilà, la petite vie du Decade. Bon, les cours des enfants vont commencer. Vas-y, arrête et viens manger. T'as fait tes devoirs. T'as fait tes devoirs. Eve, tu vas faire des travaux supplémentaires, toi, tiens. Tu te feras des amis après à l'école. En attendant, tu vas bosser. Ah, son empathie qui monte, Arthur, c'est très bien. C'est bizarre d'avoir un Sims avec des lunettes. J'ai pas l'habitude d'avoir des Sims avec des lunettes. Qu'est-ce qu'elle va faire?
À faire ses devoirs là, ce qui est logique. Pierre Nard, t'as fini ton bain. Allez, va. Quand je pense que Pierre Nard, il est déjà adulte, Joséphine, pas du tout. Joséphine, elle va. Oh mon dieu, il va tellement mourir avant elle, ça va être horrible. Joséphine, tu peux aller. Bah, aux toilettes, dépêche-toi. Tu vas prendre après un bain et tu vas aussi manger. Comme ça, ce sera fait. Compétence 7, faculté mentale. Louise, tu es très 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 douée. Albert, il mange. Tu vas aller aussi aller aux toilettes, mon petit. Ah non, tu veux pas manger. Tu vas écouter de la musique baroque. Qu'est-ce que tu vas faire toi là-haut? Mais arrête! Non mais c'est du nawak. On atteint un niveau de nawak assez élevé. Tu vas manger le gâteau. Ouais non, tu vas, tant pis, tu vas aller à l'école. Pierre Nard! T'es frais et dispo? Bah écoute, t'as ton jardin. Hop! Entretenir le jardin, monsieur de Saint-Paul. C'est le gagne-pain. Hop, elle fait ses devoirs. Lui, il va aux toilettes. C'est bon, il va en cours. Lui, il va en cours. Et elle a fini son bain. Tu vas prendre, tu vas manger ce gâteau. Voilà. Au moins, c'est fait. Elle a pas l'air d'être contente d'être enceinte. Elle a des nausées matinales. Ben oui, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. La vache, elle est pas prête de vieillir. Hein. Putain, ça veut dire que Pierre Nard, il va être vieux. Pierre Nard, il est vieux dans 20 jours. Ah oui, quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas joué je veux dire, en température normale. Non, en longévité normale, parce qu'avec le Ugly Challenge, ça va tellement vite. Mais là, c'est très long, en fait. C'est waouh. Mais elle a 12 jours avant d'être adulte. Donc, on est encore très très loin, quoi. Oh, c'est très très long, tout ça. Il y a petit prout Gustavouille qui est debout. Gustave, il a piqué la part de gâteau de sa mère. Ok. Eh bien, tu vois, tu vas arrêter ton bain. Et de toute façon, tu peux plus manger. Tu fais ce que tu vas faire, vu que la famille commence à devenir grande. Tu vas faire une omelette, puis tu vas manger. Et après, tu feras la vaisselle. Ah ouais. Deuxième trimestre en 21 h. On voit pas, hein. Oh non, il est cassé. Est-ce qu'elle a pas de ventre? Après, tu reprendras ta petite lessive et tu donneras un bain de mousse à Gustave. Ça, c'est ton programme de la journée, ou du moins de la matinée, ma petite Joséphine. Donc, dommage, mais c'est comme ça la vie. Ouh, la salle. Il vient de péter la maison! Mais maintenant ce débile il va pleurer dessus! Mais que t'es con toi aussi, hein? Franchement, tiens, va sur le pot au lieu de faire des conneries là. Donc maman elle est en train de. D'astiquer la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, fais la vaisselle. T'as plein de choses à faire. T'as de la chance, t'as qu'un seul gamin à la maison maintenant. T'as les autres ils sont à l'école. Donc tu peux gérer là. Tu peux. Il y a de quoi faire. Gustave. Gustave, après que tu auras pissé, ce sera le bain. T'inquiète pas. Ouh là là! On n'a pas payé les factures. Pierre Nard, c'est ta responsabilité, ça. Tu es l'homme de la maison. Tu vas payer les factures. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est vrai, il va le réparer. J'avais oublié. Allez, Zouf, va t'occuper de ton fils qui est triste et qui veut faire des conneries, sinon. Faire un petit bain. C'est calme quand même quand il y a trois des gamins qui sont enfin à l'école. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, on a payé les factures. C'est très bien. Tu sais que tu vas aller aux toilettes et tu vas manger. Comme tu t'es occupé du jardin, c'est parfait. T'as quelques petites évolutions à faire. Non, c'est tout ce que je vois. Pour l'instant, t'es bien. C'est parfait. Oh, Pierre Nard,
Il va aux toilettes devant son gosse, quoi, tranquille, tout le monde dans la salle d'eau. Ouh, il est colère parce qu'il est fatigué. Ouh, il est con, ce qui si celui-là. Tu sais quoi? Tu vas aller le coucher. Comme ça, au moins, c'est fait. Il nous emmerdera plus pour le reste de la journée, et ça, c'est bien. Maman, la gerbe. Yokip habini ishi joingi omiva me bouv mokosa. Voilà. Oui, il aura faim, mais au moins il va dormir un petit peu et il va nous lâcher la grappe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je crois qu'il a fait la vaisselle. Ce con. Bon bah, toi t'es bonne pour nettoyer, ranger. Jeter. Et nettoyer vigoureusement. Ça te fera plaisir de nettoyer, ça, je le sais. Tu aimes ça, ma petite Joséphine. Et Pierre-Nard a évolué une plante. Il va danser après sur la musique baroque. C'est logique. Ah, quoique. Ici, ici, ici. Tu vas faire évoluer. Il y a toujours des choses à faire évoluer. Faut juste les trouver. Et cliquer sur le bon buisson qui clignote, quoi. Pas celui-là. Maman, elle fait les ménages. Voilà. Mais après, Pierre-Nard, si tu t'ennuies, tu peux nous faire une ou deux baignoires. Je t'en fais faire deux. Et puis, tu pourras t'entraîner au jeu de fer à cheval, là, je sais pas quoi. Ah, Joséphine! Les enfants ils vont pas tarder à revenir de l'école. Tu pourras les aider à leur faire leurs devoirs, d'ailleurs, ce sera pas mal. Puisque ça fait partie de ton aspiration et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'y pencher beaucoup. Hein. Ça risque d'être tendux. Allez, nettoie. Et ça lui remonte son divertissement, c'est logique. Bon, les monstres sont rentrés, il y en a un qui pue. Qui pue du cul. Tu vas prendre un bain. Toi, t'as besoin de te divertir. Tu sais quoi, tu vas... Ah bah non, t'es trop tendu. Tu vas écouter intensément ça. Voilà, hein, du disco, on est tous d'accord que c'est totalement l'époque. Louise, toi aussi t'as besoin... Bon bah elle joue déjà à ça. T'es nulle hein, pour l'instant ma petite. Vas-y, vas-y, entraîne-toi. Elle rigole parce qu'elle est nulle. Et elle grandit dans 2 jours. C'est bien, on va pouvoir savoir à quoi elle ressemble définitivement la petite Louise. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Encore là, ça va parce qu'on a la musique. Attendez. Voilà. Là, on va profiter pleinement du talent d'Albert. Bon, c'est pas en raccord l'image et le son, on est d'accord. Hein. Normalement, il doit faire des mouvements plus brusques et plus courts, mais bon. On dira rien. On dirait qu'il est au ralenti, quoi, c'est un peu flippant. Ok, l'objet en bois est fait, elle fait la vaisselle, lui... Bah écoute, mon petit, tu vas pouvoir faire tes devoirs. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Genre, tu vas dormir, cocotte. Bah, t'as qu'à pas pleurer après les monstres, hein, cocotte. Tu vas aux toilettes, et puis après, tu feras tes devoirs haut la main. Joséphine. Pourquoi tu vas là-haut laver la vaisselle? D'accord, on dira rien. Tu vas aider ton garçon à faire ses devoirs. Voilà. Lui. Il sait maintenant, il a faim, son divertissement est remonté. Ok, bah tu vas arrêter. Et tu vas faire tes devoirs aussi, du coup. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, ce violon. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous aller dans la chambre?
des bambins pour aller faire leur devoir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Tu vas ensuite aider ton autre fils à faire ses devoirs. Est-ce que du coup tu as... On est à 2 sur 3. On verra. Hein. Avoir un enfant obtenant une moyenne au lycée, donc on n'y est pas encore. Avoir un enfant obtenant le niveau maximal dans une compétence. Ça promet aussi, hein. Je sais pas sur quoi on va se lancer. Faudrait qu'on voit quel enfant et quelle compétence. Et après, tu pourras réparer la maison de poupée, s'il te plaît. Albert est compatible. Oh, mais c'est bon! C'est une putain de maison de poupée! Discute avec ton frère, du coup. Tu as besoin de discuter. Plaisanter sur les bananes. Prends une photo, non? Parler de son animal préféré. Toi aussi. Donner un coup de hanche. Et décrire l'ami imaginaire. Parler de son animal préféré. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton amoureux, toi? Bah écoute, fais ce que tu peux. Tu lui as dit que t'étais en cloque, au fait, ou pas du tout? Je pense pas. Partager la grande nouvelle. Ah, au fait, Bernard, on va encore avoir un oubou. Ouais, le mec est blasé, quoi. Ouf, encore un enfant. Et cette fois-ci, ce sera une fille, moi je vous le dis. Elle va manger des fraises. D'ailleurs, elle va en manger tout de suite. Tu vas manger une fraise, tu vas remanger une fraise, et tu vas remanger une fraise. Trois fraises égale une fille. Trois carottes égale une banane. Un garçon. Oui, c'est logique, voyons. Trois carottes égale un garçon. Une banane. Oh là là, mais je sais même plus refaire mes vannes. Mon Dieu, je suis... Elle va en bouffer des fraises, hein, moi je vous le dis. Pierre Nord, t'es blasé de la vie, hein. Et hop, mais encore une fraise qui va bien. Qu'est-ce que tu fais dehors, toi, Arthur? Tu t'attends quoi de ta vie, en fait? Tu vas jouer à la poupée avec Albert. Allez. Louise, elle est où? Elle est déjà repartie se coucher. Elle est fatiguée, bah oui. Ça, quand on fait le con avec le monstre, là. Ok. Et Joséphine, elle se retrouve là comme une débile. Tu veux, s'il te plaît, servir le dîner gombo. Oignons, écrevisses, insectes. Ah! Non. Les spaghettis, tiens. Mmh, c'est bien, les spaghettis. C'est très bien, parce qu'en plus, il y a le petit, là. On va le faire se lever. Voilà, il va être colère, il va aller au pot, et pendant qu'elle fait à manger, après on va manger. Ah bah d'accord, c'est Pierre Nard et Arthur qui jouent ensemble. Bah oui, c'est logique. Gustave a très faim. Oui, oui, t'inquiète, il va manger. Non, mais il va aller aux toilettes avant d'aller manger, hein. Moi je vous le dis. Oh, c'est trop mignon, les garçons qui jouent. Pierre Nard! Pierre Nard, on va... Ouah, l'autre elle joue avec ses couteaux, laisse tomber. Hein. C'est flippant par contre. Pierre Nard, viendez ici, mon bon seigneur. Allez, viendez vous asseoir et on va vendre ce qu'il y a dans votre inventaire. Donc 2192 de mufliers, des fraises, on s'en fiche. Les fruits du dragon, on n'en a pas beaucoup, mais ils nous rapportent 413. De ça, je sais pas combien. 1326 et 5020. Bon. C'est pas mal. On va pas se plaindre. Non! Non! Tu t'assois, je t'ai dit. C'est pas compliqué dans la vie, non? Oh, ça m'énerve, ça! Jouer disparu, continue à chercher. Vas-y, fais-moi pas chier. Oh, mais c'est bon! Vous asseyez votre terche et vous attendez que ça se fasse! Ouais, de toute façon, elle a déjà tout bouffé. Donc... Tac. Et t'as lui aussi qui va s'y mettre? Non, il va juste se laver les mains. Ça va.
Et maman. Mais plan de fruit du dragon. Oui, non, c'est pas un fruit du dragon, c'est ma fille. D'accord. Ok, ça bug. Et tu vas appeler la table. Elle est quand même compétence 9 de cuisine. Mais putain d'Arthur de mes couilles! Oh, ça m'énerve! Mais arrête avec ce fruit du dragon. Oh, j'en ai marre, j'ai mon truc qui est buggé. C'est bon là? Toi, t'écoutes la musique, c'est bien. Pierre arrive à manger. Oh! Mais occupe-toi de ton cul! Laisse ce gosse! Ah, je vous jure, cette chaise-là, c'est l'enfer, quoi. Bon, j'ai encore mon fruit du dragon qui se balade. Tout va bien. Le petit, il a pris à manger? Oui. Donc il va pas nous casser les pieds. Ça va faire, elle. Elle va retourner se coucher. Ben oui, d'accord. Tu sais, tu peux peut-être aussi t'entraîner. Ouais. Entraîne-toi au jeu là, je sais pas quoi, le lama. Elle est trop mignonne. Elle est contente. Puis là, elle va en enlever un et puis poum, ça va tomber. Ah, tu te la pètes pas là? T'as peur, hein? Elle est contente. What's your pillow? Ouais, c'est toujours le même qu'elle enlève, hein. Ah non, là c'est en dessous. Ah, la tête qu'elle fait. Oh my god, quoi. Ah, et voilà. J'avais vu le truc qui avait bougé, donc c'était sûr que l'animation allait refaire. Waouh, ça se remet tout seul, c'est magique. Et puis tu pourras être couché, effectivement. Après Albert. Tu vas prendre un bain et tu vas être couché. Arthur, tu vas juste aller te coucher. Ah bah lui, il mange là, c'est trop mignon. Maman, elle va lui parler un peu à Gustave. Tu vas lui miner la journée. Tu vas raconter une histoire drôle. Puis on va tellement se marier et donc tu vas faire le ménage. Ah bah elle le fait, mais c'est magnifique. Elle est magique, cette demoiselle, cette dame, Madame de Saint-Paul. D'accord. Ok. Pierre-Nard est déjà parti se coucher. Bah non, Pierre-Nard, non. Non, Pierre-Nard. On n'est pas d'accord. Ouah, le jardin! Tu vas tout récolter. Tu vas tout récolter. En plus, c'est en train de popper, là. C'est en train de popper à fond. Oups. Je l'ai vu. Regardez-moi ce beau jardin. Faire évoluer. Faire évoluer. Parce que c'est toujours pas. Là, on est à superbe. Je vois pas après ce que ça peut être superbe. Magnifique. Ouais. Par contre, la musique, c'est pas du tout. Changer de station. Classique. Allez. Voilà. Comment il va, Gustave? Bah, tu vas pouvoir aller le coucher. Hein. Et tu vas aller le coucher, on va le mettre couché là-bas. Hop. Comme ça, ce sera fait. Ça ira pour tout le monde. Et son deuxième trimestre dans 7 heures, donc au réveil. C'est très bien. On aura tous nos enfants qui seront nés à la même période, c'est-à-dire entre vers 6-7 heures du matin, quoi. Et ça va être rigolo. Ouais, pour la deuxième de la journée. Oh punaise, elle est en train de péter un boulard, Joséphine. Oh, plus du tout, Joséphine. Oh là là, c'est crade. Tu vas utiliser, tu vas essuyer, tu vas nettoyer la baignoire. Parce que là. Oh, on est déjà bon pour refaire une lessive. Oh là 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 là. C'est pas possible. Hein. Pierre-Nard, elle lui fait ses plantes. C'est très bien. Tu vas pouvoir faire un petit pipi aussi. Tu peux venir jusque-là. Tiens, tu peux m'écouter prochain morceau, tiens. Écouter de la musique classique. Ouais, puis tu vas aller aux toilettes.
Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, elle va se laver les mains. Effectivement, hein. Allez! Il est minuit passé. Nettoyer la baignoire. De la crasse. Pierre Noir, il va faire ses petites mimines. On va éteindre là et puis effectivement on va aller se coucher tranquillement pour clôturer cette journée. Ouais, et puis Dodo, oh putain, je l'entends ici. Oh, j'en ai marre de ce truc. Allez, fais une sieste. Ça m'agace, j'en ai ras le bol de ce monstre. Oui, on s'en fout, le monstre. Allez, c'est bon. Allez vous coucher. En ce temps-là, Louise, c'est bon, elle a rien à déclarer à ce niveau-là. Albert! Non, Albert, va, tu vas faire une sieste. Allez. Ça suffit, t'es un grand garçon. Maintenant, tu vas te coucher. Tu fais dodo, voilà. Cassez-moi pas les pieds. Elle a toujours pas fini de voyager la baignoire. Mais finalement, c'était hyper incrusté, hein. Pierre Noir est parti se coucher tranquille. Bon, bah super, tu pourras faire une lessive pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas comme si ça nous avait manqué, hein. Mais bon, c'est quand même moins pire que le début, je suis d'accord. Au début, je gérais pas du tout. Je faisais très très mal la lessive. Maintenant, j'ai compris le truc. Donc, encore merci à tous, hein, d'ailleurs, d'avoir, de m'avoir donné ces tips. Non, mais on est d'accord ou pas, là? Il est 2h30 du matin, elle a enfin fini de terminer de nettoyer la baignoire. Non mais c'est l'arnaque du siècle ce truc. Et hop, dodo, mais pas trop trop vite puisque comme d'habitude moi je vais vous quitter là-dessus. Sur une maison encore remplie de vêtements par terre. Avec des gamins qui savent pas dormir parce qu'il y a un putain de monstre qui nous casse les reins. Hein, franchement là j'en ai un ras le cul. En tout cas c'est là-dessus que je vais vous quitter. Moi je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Decade ou d'autres choses. Allez, salut!